Comment est-ce qu'on repère alors ces alliés dans une équipe médicale ou paramédicale ? Les alliés, je vais dire, de l'enfant et des parents dans une équipe sont repérés parce que ce sont des gens qui s'adressent de façon humaine à l'enfant, quel que soit son âge, et puis de façon aussi humaine aux parents, c'est-à-dire en les considérant aussi de leur côté comme des alliés et non pas comme quelque part des objets de soins, des objets qui sont là pour qu'on réalise un travail, point c'est tout. Je pense que le travail du médecin, de l'infirmière, ne peut pas se faire sans les parents et l'enfant, tout en sachant que ce n'est pas facile et que certains parents, dépassés par la souffrance psychique personnelle, hein, peuvent très bien péter les plombs, hein, faut être clair, et que quelquefois ils peuvent être encombrants, on peut estimer, mais que je crois qu'il y a 50% d'encombrement diminué si on les prend comme alliés.